Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, des news, vous en voulez? J'en ai. Elles sont pas forcément très fraîches. Alors, l'installateur est venu aujourd'hui pour m'installer la fibre. Il a câblé ma maison à la rue. Jusque-là, check. Par contre, le problème, c'est la plaque qui est dans la rue, qui est connectée, elle, à une armoire SFR. Eh bien, il y a un problème de connexion entre les deux. La fibre est coupée quelque part. On ne sait pas où. Moi, je suis chez Orange et on est dépendant de SFR parce qu'il y a un ticket qui a été ouvert chez SFR. Il faut que SFR vienne réparer son armoire. Et là, ça coince. Le problème, c'est que on m'a dit que ça pouvait prendre de une semaine à plusieurs mois. Ce qui fait que j'étais en partage de connexion avec mon mobile. Là, ils m'ont donné une clé 4G. Donc voilà. Je suis très très limité par ma connexion internet, par sa rapidité. Je suis limité par les quantités d'uploads que je peux faire, etc., etc. Vous connaissez la musique. Donc, on va pas pouvoir faire des lives parce que ça risque d'être très instable. Ça va être très compliqué. Moi, je vais essayer de vous uploader des vidéos, mais avec la vitesse de connexion que je vais avoir, ça va prendre des plombes. D'ailleurs, si tu travailles chez SFR, tu peux me sauver la vie. Booste-les pour qu'ils aient réparé ça la semaine prochaine, demain, avant-hier. Et comme ça, on retrouve notre connexion Internet. Voilà, on est dépendant des SFR et je ne peux rien faire de plus. Donc, je suis limité à la connexion 4G. Donc, voilà, on va pas pouvoir faire de live. Donc, pour l'instant, je vais essayer de vous uploader un maximum de vidéos. Mais la dernière fois que j'ai essayé de vous en uploader une en 4G, c'était une petite vidéo, vous avez vu, rapide, de moins de 10 minutes. Et ça m'a pris plusieurs heures pour l'uploader. Donc ça va être très compliqué de vous uploader des vidéos, mais je lâche pas l'affaire, je vous lâche pas. Je vais essayer de faire le maximum pour que la chaîne reste dynamique. Donc voilà, je suis désolé pour vous si vous attendiez des lives. C'est indépendant de ma propre volonté, je ne peux pas faire mieux. Si je fais des lives, la qualité va être vraiment moindre. Et donc, du coup, c'est pas ce que vous voulez. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Et j'espère encore que ça va le faire. Vive SFR.